Adieu flamand dans futurascience.com du 20 mai 2024. Une nouvelle étude menée par le Centre d'écologie et des sciences de la conservation et l'Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes de la Tour du Valla et publiée dans la revue Conservation Biology est inquiétante pour la Camargue. L'étude a porté sur 938 zones humides côtières fréquentées par les oiseaux dans 8 pays du pourtour méditerranéen. D'ici 2100, si les scénarios climatiques du GIEC se confirment, plus de 320 zones humides côtières, soit près d'un tiers de celles étudiées, sont menacées par la hausse du niveau marin à venir, y compris dans les scénarios climatiques les plus optimistes. Le niveau de la mer Méditerranée gagnera entre 44 et 161 cm d'ici 2100. D'une manière générale, 34% des sites méditerranéens sont menacés de disparaître sous les eaux et en particulier ceux fréquentés par les oiseaux migrateurs. Parmi les plus exposés au risque de submersion marine figurent les zones humides considérées comme d'importance internationale pour les oiseaux d'eau et celles bénéficiant d'un statut de protection. La submersion des terres de la Camargue devrait s'étaler sur une surface de terre équivalente à 4 fois la superficie de Paris. Les oiseaux du littoral seront particulièrement touchés, comme l'emblème de la Camargue, le flamand rose. Extraire des métaux pour la transition énergétique, un mal pour un mal dans goodplanet.info du 17 mai 2024. L'Agence internationale de l'énergie, dans son deuxième rapport annuel sur les métaux, publié le 17 mai 2024, estime à 800 milliards de dollars le montant total des investissements miniers nécessaires dans le monde d'ici 2040 pour que la planète respecte l'objectif fixé par l'accord international de Paris sur le climat en 2015, lors de la COP21, de limiter à 1,5 degré le réchauffement des températures par rapport à l'ère pré-industrielle. En 2023, le prix du lithium a chuté de 75%, celui du cobalt a enregistré une baisse de 30 à 45% et le graphite a baissé de 14% en moyenne le prix des batteries. Ces baisses ont notoirement ralenti les investissements miniers. En outre, en volume, les deux métaux les plus à risque de tension sur leur approvisionnement sont le lithium et le cuivre, qui affichent un écart significatif entre les perspectives de production et celles de consommation selon le rapport. Selon le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, pour ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement, la demande pour les minerais critiques va quadrupler d'ici 2040. Nous l'avons plusieurs fois évoqué, la course aux métaux inflige des coups sérieux aux peuples indigènes et à leurs terres traditionnelles. Galina Angarova, de la tribu Buria en Sibérie, qui dirige une coalition d'associations de défense des droits des peuples autochtones, d'ajouter « Si nous continuons à ce rythme, nous risquons d'obtenir une destruction de la nature, de la biodiversité et des droits de l'homme dans une économie décarbonée, sortie du pétrole, du gaz et du charbon. » Le saumon industriel dans Basta Media du 21 mai 2024. Le saumon est le poisson le plus consommé en France avec une moyenne de 2,7 kg par an par habitant. 99% sont importés de Norvège, du Royaume-Uni, du Chili et du Canada. Les coûts de transport augmentant, les industriels veulent bénéficier de l'aubaine pour produire du saumon en France à partir de 3 fermes situées en Gironde, dans le Pas-de-Calais et en Bretagne. Objectif 27 000 tonnes par an sur les 3 fermes. Cette idée paraît réjouissante pour les consommateurs de l'or raw, sauf que les élevages seront confrontés aux maladies, aux poux de mer, aux résidus chimiques, à la pollution plastique, à l'évasion de nombreux poissons ou encore à la surabondance de matières fécales. Bref, un enfer peu écologique. Comme d'habitude, dans la lignée de la tradition préfectorale, le préfet du Pas-de-Calais a donné l'autorisation en s'asseyant sur les objections émises par les écologistes et les scientifiques. L'un des principaux problèmes est que les saumons seront élevés dans des bacs alimentés par de l'eau pompée en mer à raison de 7500 m3 d'eau par heure. L'eau polluée sera ensuite rejetée dans la rade du port. Quant au projet de ferme en Gironde, les industriels attaquent systématiquement les opposants en justice. Enfin, en Bretagne, les élus changent d'avis, favorables puis défavorables. La préfecture est restée silencieuse face aux demandes des organisations écologiques. De plus, des centaines de milliers de tonnes de poissons prélevés en Afrique sont transformées en farine ou en huile pour l'exportation, au détriment d'environ 40 millions d'Africaines et d'Africains. Il est en effet devenu plus intéressant pour des petits pêcheurs sénégalais, par exemple, de vendre leur pêche à l'usine de poissons pour faire de la farine plutôt que de la mettre sur le marché alimentaire local. Dangereux salaire en Afrique de l'Ouest, dans mongabay.com du 16 mai 2024. Une étude réalisée par une équipe internationale de chercheurs du groupe World Weather Attribution, publiée le 21 mars 2024, montre que le changement climatique est à l'origine de la vague de chaleur qu'a enregistrée l'Afrique de l'Ouest durant les mois de février à avril et pourrait devenir cyclique tous les 2 ans si les émissions de gaz à effet de serre ne fléchissent pas. Les pays étudiés sont le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, de même que certaines parties de la Guinée et du Cameroun. Le professeur Michel Boko, climatologue à l'université d'Amomey-Calavi au Bénin, estime que depuis janvier 2024, les températures enregistrées ne sont pas conformes à la normale, c'est-à-dire à la moyenne établie sur 30 ans au moins.
Ce qui se passe devient exceptionnel, nous sommes comme dans une étuve parce que notre peau n'arrive pas à évapotranspirer l'eau que nous buvons. La sueur ne s'en va pas parce que l'atmosphère est déjà saturée d'humidité. Armelle Genontin, maître de conférence en entomologie médicale à l'université d'Abom et Calavi, déplore que les températures ressenties aient été très peu supportables. Les climatologues du groupe WWA ont mentionné dans l'étude qu'au Nigeria, les médecins ont signalé une augmentation du nombre de patients aux maladies liées à la chaleur, des plaintes de troubles de sommeil en raison des nuits chaudes. Selon Sabas Atideo, enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture de Ketou au Bénin, sur les animaux en général, il y a une augmentation du stress et des mécanismes de thermolyse. Il y a en particulier la réduction de la prise alimentaire avec pour conséquence immédiate la chute de production. Il y a aussi la baisse de l'immunité générale due au stress et qui est suivie de pathologies diverses et de mortalité. Durant cette période chaude, les éleveurs de volailles ont essuyé de grosses pertes au Bénin. Intelligence artificielle et morale dans France-TV-info.fr du 19 avril 2024. Selon Antonio Casilli, professeur à l'Institut Polytechnique de Paris, à propos de l'intelligence artificielle, on n'est pas du tout en train de créer des programmes qui se passent de l'humain. L'intelligence artificielle demande une quantité de travail humain énorme et absolument indispensable dans toute la chaîne de production. Selon un rapport de la Banque mondiale du 7 septembre 2023, il y aurait entre 154 millions et 435 millions de travailleurs en ligne dans le monde. Les emplois sont précaires. Aux Philippines, par exemple, les travailleurs sont payés entre 1,50 et 3 dollars par heure. Les travailleurs sont recrutés dans les pays à faible revenu et géopolitiquement instables, précise Antonio Casilli, comme les Philippines, Madagascar, le Kenya, le Venezuela, le Pakistan, etc. Au Venezuela, 8 heures de travail sont payées moins de 10 dollars. Moffat Okini, fondateur de l'Union des modérateurs de contenu du Kenya et cofondateur de l'ONG Tech Worker Community Africa, déclare que l'intelligence artificielle ne peut pas être éthique si elle est entraînée de façon immorale en exploitant des gens en difficulté économique et sur des données volées. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.